прежде всего ВДВ не воспринят ультрамариновый Et salut à tous, c'est Dimitriov pour une nouvelle vidéo, vidéo qui inaugure une nouvelle saga qui traitera des véhicules que l'on rencontre dans DCS, en donnant un historique d'une part, et en vous donnant les repères d'autre part pour les reconnaître, et les traiter efficacement en toute connaissance de leurs caractéristiques. Comme certaines autres qui suivront, cette vidéo sera découpée en deux axes, un premier traitant de l'historique des véhicules en question, et un second les décrivant purement et simplement dans DCS. Et c'est ainsi que nous allons commencer avec notre premier sujet, que sont les chars russes du T-55 au T-90. Pour comprendre les chars russes modernes, il faut comprendre les raisons de leur conception. Remontons tout d'abord un moment à la Seconde Guerre mondiale, lors de l'entrée en guerre de l'Union soviétique en 1941. Les forces blindées allemandes vont se confronter à un adversaire qu'ils sous-estimaient grandement, le char russe. En particulier, deux modèles vont retenir l'attention des officiers allemands et plus tard de l'histoire. Le char moyen T-34, d'une part, et le char lourd KV, d'autre part. Ces deux blindés vont marquer la guerre, le premier plus que le second, et amorcer un véritable tournant dans la conception des blindés ultérieurs, tant du côté soviétique que des occidentaux, allemands compris. En effet, l'on se trouve d'une part avec un T-34, char moyen de 30 tonnes, particulièrement mobile, bien armé avec un canon de 76 mm et au blindage incliné novateur, du moins aux yeux des Allemands à l'époque. Et d'autre part, un char KV au blindage lourd, lui aussi armé d'un canon de 76 mm, réputé capable de stopper à lui seul des brigades de panthères. Relativement satisfait du premier, le T-34, et conscient du potentiel de rupture du char lourd, les soviétiques vont peu à peu moderniser leur arsenal, en modifiant la tourelle du T-34 pour y adapter un canon de 85 mm, et en désignant un successeur au char KV, le char JS pour Joseph Staline. Les années passant, et l'évolution des blindés allemands se faisant vers des engins de plus en plus lourdement blindés et armés, le T-34 finira par paraître de plus en plus obsolète, et l'on commencera à voir les soviétiques se pencher de plus en plus sur les développements du char JS, menant au JS-3, à l'allure résolument moderne, puis au JS-4, au JS-6, et enfin au T-10, qui sera le dernier char lourd produit en masse par les soviétiques, char lourd qui sera d'ailleurs vendu aux Égyptiens et utilisé pendant la guerre des 6 jours, sans grand succès d'ailleurs. Il faut comprendre qu'à l'époque, l'on plaçait le char lourd comme le meilleur représentant de la technologie blindée, au détriment des chars moyens. Cependant, et de manière relativement discrète, les bureaux soviétiques entamèrent dès la fin de la guerre la mise au point d'un nouveau blindé basé sur un châssis entièrement nouveau, le T-44. Ce dernier se distingue avant tout par son châssis, et non par sa tourelle qui l'emprunte au T-34. C'est un véhicule bas, maniable, rapide et discret, mais qui, du fait de l'inclinaison de son blindage, est particulièrement bien protégé relativement à sa taille. S'il sera déployé en faible quantité pendant la Corée et produit en relativement faible quantité, 1800 exemplaires, ce n'est pas énorme pour l'Union soviétique, il permettra surtout, en fin de développement, de créer le char T-54, qui partage le même châssis, mais qui est équipé d'une tourelle plus large et d'un canon de 100 mm. Ce même T-54 mènera tout naturellement, après un changement du bloc moteur et quelques améliorations supplémentaires, dont une tourelle légèrement redessinée, au T-55A, que l'on retrouve dans DCS. C'est ce même char, le T-55, qui fera prendre conscience aux soviétiques que le char lourd type T-10 n'a plus de réel avenir. Celui-ci est en effet long, lourd, complexe, et souffre d'une grande consommation en carburant que son léger avantage en armement ne saurait plus justifier. Le T-55 a tué le char lourd. C'est un blindé rapide, bien protégé, bien armé, facile à entretenir, et capable de faire face à n'importe quel blindé occidental de l'époque, et dans bien des cas d'ailleurs de le surpasser. Son efficacité et son bas coût en feront le char le plus produit d'après-guerre, et Khrouchtchev, en tirant une leçon, donnera une directive qui conditionnera de manière définitive le développement des blindés soviétiques, pas plus de 40 tonnes. C'est donc tout naturellement que tous les chars soviétiques futurs se baseront sur cette architecture pensée pour être compacte et mobile, tout en étant blindés et bien armés.
Mais les avancées technologiques se faisant rapidement, la doctrine des 40 tonnes mènera bien vite à remplir ces blindés de faiblesses graves, faiblesses qui persisteront avec le temps, et qui entraîneront sur la fin de la guerre froide une réelle infériorité matérielle et technique par rapport à leurs hypothétiques adversaires occidentaux. Et c'est par ce biais-là que nous rentrons maintenant dans le vif du sujet, en passant sur les blindés que l'on trouve dans DCS. Et nous allons commencer avec le T-55A. Le T-55 est un char moyen jaugeant 36 tonnes en ordre de combat. Il s'appuie sur un canon de 100 mm et grâce à son moteur de 520 chevaux, il file à une vitesse de 45 à 50 km/h sur route. Il est lourdement blindé comparativement aux chars moyens déployés en Europe à la même époque. Son blindage automoteur, à titre d'exemple, étant proche de 50 mm, ce qui le met à l'abri de la plupart des armes dont le calibre se situe sous les 57 mm. Cependant, il présente un grand défaut, que l'on retrouvera sur ses successeurs, à savoir qu'une bonne partie des munitions est stockée dans le puits de tourelle, ce qui amène qu'il faudra privilégier pour détruire le char un tir sous la tourelle, mettant le feu à l'armement et tuant l'équipage. Dans ces conditions, il reste vulnérable à l'obus API de 30 mètres du canon 50, pour peu d'être tiré en suffisamment grande quantité à un angle acceptable sur le flanc à moins d'un kilomètre. Le traitement nécessitera le plus souvent cependant l'usage d'un missile. Bien qu'équipé de stabilisateurs, il n'est pas à même d'ouvrir le feu sur une cible mouvement rapide, tout juste pourra-t-il tirer sur une cible immobile lui faisant face en roulant à moins de 20 km/h sur terrain plat et ce sous les 1000 mètres. Il n'est pas équipé d'une mitrailleuse coaxiale et relègue l'ensemble de sa défense contre l'infanterie ou les aéronefs hostiles à sa mitrailleuse 12K de 12,7 mm qui est montée sur son toit. Comme nous l'avons vu, ce blindé a une ligne assez caractéristique, cependant cette même ligne se retrouve dans ses successeurs, aussi faut-il aller plus en détail pour les différencier. L'un des principaux points que l'on regardera pour identifier un T-55 sera le nombre de roues de route. Elles sont 5 sur ce char, au lieu de 6 sur le suivant, à savoir le T-55. Également, la tourelle moulée reste relativement haute, pour un char lui-même assez court, ce qui lui donne un aspect encore assez pâteau et facilement identifiable. L'on notera également la présence d'un frein de bouche en fin de canon, frein qui n'est plus présent sur les T-72, T-80 ou T-90. Passons maintenant au T-72. Il faut déjà comprendre avec le T-72 que l'on saute une génération. En effet, il est précédé par deux blindés, le T-62 d'une part et le T-64 d'autre part. Si on ne s'entendra pas sur eux, l'on notera simplement la nouvelle division des unités blindées russes en deux chars. Un char de grande production, le T-62, qui mène au T-72, et un char d'élite, le T-64, qui mènera au T-80. Le T-72 est un blindé relativement novateur pour l'époque. Il embarque un canon de 125 mm, une coaxiale de 7,62 mm, ainsi qu'une douche K de 12,7 mm sur le toit. La particularité principale en combat du T-72 sera l'usage de son ATGM, le Svir, d'une portée de 4 km. Il est plus mobile que le T-55, avec une vitesse de pointe de 60 km/h grâce à sa motorisation de 840 chevaux diesel pour 44 tonnes dans la version surblindée de DCS. Le T-72 reste un blindé relativement bas, réputé très inconfortable pour son équipage, et qui va trouver pour principal défaut en combat de voir ses munitions être stockées dans un carrousel situé dans le puits de tourelle. Ce carrousel alimente un chargeur automatique, et le tout constitue un terrible point faible en cas d'impact, se terminant le plus souvent par l'implosion du char et la mort de son équipage. Le véritable danger que posera ce char pour un hélicoptère sera son ATGM, guidé laser, d'une portée de 4 km. Il est un danger mortel pour tout hélicoptère volant à basse vitesse dans les environs. A reconnaître, le T-72 de DCS se démarque par la présence de briques de blindage réactifs en protection des obus HIT, ainsi qu'une silhouette très basse. On notera également la présence de réservoirs additionnels, largables à l'arrière du moteur. Également enfin, la présence des 6 roues de route, à l'inverse du T-55 qui n'en a que 5. Le T-80 maintenant est le successeur direct du T-64 précédemment évoqué. C'est un char dit d'élite, à contrario du T-72 qui lui est un char de grande production. Le T-80 fut produit en moindre nombre et réservé à des équipages sélectionnés tant pour leurs compétences que pour leur petite taille. Il était également équipé d'un chargeur automatique pourvoyant son canon de 125 mm et présente les mêmes faiblesses que le T-72, avec ceci dit un blindage qui est plus évolué. La grande caractéristique du T-80 est sa motorisation, qui n'est autre qu'une turbine à gaz dans la version U qui est livrée sous DCS. Fournissant 1250 chevaux,
Elle permet au combat, au char, des accélérations très brutales, lui permettant de plafonner à 70, voire 80 km/h. Au combat, il représente un véritable danger, tant pour ses homologues occidentaux que pour les aéronefs lents. En effet, si son canon peut venir à bout du blindage de n'importe quel char occidental sous les 1000 mètres, du moins à l'époque, il est également capable de tirer un missile réflexe, guidé laser jusqu'à 5 km de distance. Le T-80 est également équipé de stabiliseurs, lui permettant le tir en mouvement, ainsi que le rechargement grâce à son chargeur automatique. Il est également équipé d'une coaxiale de 7,62 mm ainsi que d'une douche-K de 12,7 mm toujours située sur le toit de la tourelle. En termes de blindage, tout traitement autre que missile ou par obus anti-char de gros calibre est illusoire. A reconnaître, le T-82 DCS se caractérise par un aspect particulièrement bas, une tourelle équipée de briques réactives sur son pourtour lui donnant une allure de soucoupe, un schnorkel posé sur l'arrière de la tourelle, ainsi qu'un bloc moteur légèrement plus compact que celui du T-72, du fait de l'utilisation d'une turbine à gaz. Il sera systématiquement une cible prioritaire, tant du fait de la menace qu'il fait peser sur son environnement, que pour son coût relativement élevé. Le T-90, enfin, était jusqu'à peu la dernière évolution des blindés russes. La version présente en DCS n'a pourtant que peu d'avantages à faire valoir face à ses adversaires occidentaux, et même en fait face au T-80. Si le faible volume du char a longtemps été un avantage sur le théâtre des opérations, les défauts qu'il engendre sont devenus trop graves pour en faire un blindé véritablement compétitif. À savoir, comme toujours, un manque de confort très important des équipages, ainsi qu'un placement des munitions menaçant de transformer le char en brasier à la moindre perforation. Et pour cause, le châssis du T-90 n'est rien d'autre que celui d'un T-72, et la motorisation est celle des T-80UB et non du T-80U précédemment vu, à savoir un simple diesel développant 840 chevaux, ne lui permettant pas une aussi bonne manœuvrabilité que le T-80. Son canon de 125 mm lui permet en revanche toujours de bonnes performances balistiques, ainsi que de tirer le missile réflexe, déjà utilisé par le T-80, d'une portée de 5 km à guidage laser. Il est également équipé d'une coaxiale de 7,62 mm, ainsi que d'une mitrailleuse de toit téléopérée de 12,7 mm. Le T-90 se démarque en fait de ses prédécesseurs par l'ensemble Shtora, qui est un système de brouillage infrarouge, de détection laser et de déclenchement de fumigène. Cependant, il n'est pas modélisé dans DCS. Les capacités de tir en mouvement sont relativement réduites, lui permettant de tirer, comme ses prédécesseurs, à une vitesse modérée sur terrain peu accidenté. Si le T-90 est finalement si peu ambitieux, c'est avant tout parce qu'il s'agit d'un char de transition vers une nouvelle génération de blindés, incarné depuis quelques années déjà par le T-14 Armata, dont je me garderai bien de faire tout commentaire sur les choix technologiques originaux qu'il emprunte. A reconnaître, le T-90 de DCS se distinguera de face par sa tourelle équipée de phares infrarouges, de chaque côté du canon, ainsi que par son blindage réactif Contact 5 disposé de manière anguleuse de chaque côté de la tourelle. De profil, l'on se repérera encore une fois à la tourelle, dont l'avant reste assez caractéristique et qui est équipé de périscope, et, éventuellement sur DCS, au camouflage, dans la mesure où le châssis de référence reste celui du T-72. Et nous en avons terminé avec cette première vidéo consacrée aux chars soviétiques dans DCS World. J'ai fait en sorte de rester globalement concis tout en vous donnant les informations les plus importantes sur chacun de ces blindés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura peut-être servi à quelque chose, en tout cas moi ça m'amuse de le faire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo de reconnaissance.